Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la playroom sur l'épisode de Robocraft, chers amis. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà première chose, chers amis, je vous rappelle que vous pouvez commenter au sujet d'avoir un compte presse ou non. Donc, je vous invite à le faire assez rapidement, que je puisse moi-même, si le résultat, si vous le souhaitez, en tout cas si c'est positif de votre côté, faire ma demande directement donc à Free Jam, ça, hein. Je sais plus comment ça s'appelle. Merde, c'est con quand même. Vu le temps que vu depuis quand je joue à leur jeu, je crois que c'est Free Jam en plus, hein. Je sais plus. On va regarder quand même vite fait parce que merde, je vais pas vous raconter de conneries. Hop. Voilà, Robocraft. Build, drive, fight. Alors. Free Jam, c'est bien ça, oui. Ok. Donc voilà. Moi, je voulais aussi vérifier, chers amis, un petit truc, c'est de voir le prix que coûterait l'intégralité de cet équipement. Donc, on peut compter déjà environ 2 millions pour ceci en plus. Plus 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, excusez-moi, je suis en train de compter exprès, hein. J'en ai déjà 2 comme ça. Donc 3, 3 comme ça au total, donc ça fait 3 comme ça, ça fait 6 comme ça au total. Donc 6, ça fait 3 millions, ce qui fait déjà, on a déjà plus de 5 millions en plus, vis-à-vis de l'équipement. 5 millions en plus, et il me semble que ceux que j'ai mis en truc comme ça, c'était les chers. Donc de ce côté-là, on est bon. Me semble. Donc voilà, il faudra compter à peu près 7 millions de plus, donc à peu près 20 millions au total, pour avoir un autre beau performant, plus potentiellement de quoi mettre des tourelles. On verra la place qui nous reste avec le méga bomber rajouté. Voilà. Bon, parfait. Eh bien écoutez, donc du coup on va partir se faire des crédits, hein. Hop, on va reprendre l'aigle. Pour information, parce que beaucoup me le demandent dans les commentaires, donc je lis vos commentaires, hein, je vous rassure, je n'y réponds pas forcément tout le temps, parce que tout simplement parce que des fois j'ai des problèmes pour répondre avec le réseau en fait simplement. C'est-à-dire que souvent en fait au moment où je vais envoyer, ça doit être un bug de l'application, parce que je passe par l'application vu que le PC est souvent utilisé pour le montage en ce moment, le PC portable. Je passe par l'application mobile pour répondre à vos messages, et en fait j'ai des fois l'application bug et du coup le message reste toujours en pending, c'est-à-dire qu'il est toujours en attente. Du coup voilà mes problèmes. Donc du coup oui, je répondrai à ce message. Donc beaucoup me demandent le lien de l'Eagle, du Eagle. Et malheureusement j'ai beaucoup de mal à le retrouver, donc je vais le rechercher, vous inquiétez pas chers amis, hein, je le recherche toujours un petit peu. J'ai beaucoup de mal à le trouver. En fait c'est une évolution du Eagle qui était dans le shop à l'époque où il est sorti avec la tête d'aigle. Mais je n'ai pas plus d'informations à ce sujet. Il faudra que je vous le retrouve, c'est pas moi qui l'ai construit, il est basé sur comment, énormément, enfin je l'ai amélioré à ma sauce, légèrement, au niveau de la propulsion principalement. Mais en dehors de ça, c'est un vaisseau qui est construit par un autre joueur, hein, simplement, sur le site Robocraft Garage. Donc vous pouvez faire un tour et chercher un petit peu. J'en ai vu quelques-uns avec des variantes, mais j'ai pas encore retrouvé exactement le même en fait. Et en fait le problème c'est que je sais plus non plus quelles sont les choses que j'ai moi ajoutées, quelles sont les choses qui ont été elles-mêmes créées à un moment du truc. Que dire? Quand je vois ce genre de robot, que dire? Enfin bon, c'est pas grave. On a déjà un robot handicap, hein, comme on dit. C'est cool. C'est pas grave. Bon bah écoutez, on y va. Alors, par où vous voulez aller? Ok, merci. Mais bon, on a pris du retard déjà. Spotted. Ok, c'est génial. Spotted. Oh, j'ai été touché. Ok. Je sens qu'elle va être fun cette game. Je sens qu'elle va être très très fun. Quoi?
toute façon, ça c'est pas la peine. Attends, ce qu'il faudrait éviter, c'est qu'il y en a un qui. Hop. Remarque, comme ça on est pas mal. Spotted. Quoi? Oh mais vas-y, mais lag pile au bon moment, t'as raison. Oh. Bon, de toute façon c'est pas grave, c'est la partie de chauffe, on a qu'à dire que c'est la partie de chauffe. C'est... Enfin bon, c'est pas grave, de toute façon on avait mis un quart d'heure à bouger au départ, j'ai pas compris pourquoi. Enfin bon. Enfin bon. C'est pas grave. Calmos Marcus, c'est pas gravissime. On y retourne. On y retourne. J'aurais peut-être pas fait du team deathmatch, hein, je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être pas avec ce robot, hein, simplement. Hein. Si ce team deathmatch là est encore une défaite, je pense qu'on va partir en battle arena. On verra si on peut pas se faire un petit 1,5 million, ça pourrait toujours être sympa. Knight MK3, 2 custom. Enfin Knight, pardon, je dis Knight à chaque fois, mais c'est Knight. Je dirais que c'est pas des Naki, mais c'est des Knaki hein, aussi, hein. C'est comme ça. Hein. Mais bon. Alors, GG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 
Merci de bien vouloir exploser. Faut que j'arrive à me barrer maintenant que je suis spotted. Ce serait peut-être pas mal. Allez, tourne. Allez, parfait. On est reparti. J'ai pas réussi à le spotted, apparemment t'es trop loin. Là j'ai tiré comme une bille. Hop. Attirons leur attention. Hop, touché. Spotted. Spotted. Bien joué, l'esquive. Oh! Si je rage, c'est parce qu'en fait il vient de tirer à partir d'un véhicule volant. Donc absolument pas stable, normalement. Ah, il a blinké pour s'en sortir, bien joué. Hop les, touché. Ah c'est la guerre de tranchées. Waouh, je me suis pris un tir, un joli tir en plus. J'arrive à me planquer derrière le méga, ce serait parfait. Hop, salut, excuse-moi l'ami. En fait il faudrait que quelqu'un réussisse à tirer sur ce... Waouh. Ouais non, 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 c'est pas drôle les mecs, c'est pas drôle. Oh! Oh! Pourquoi il se retourne à ce moment-là? Oh putain! Joli. Joli, joli. Bon, tant pis, c'est pas grave. Une autre défaite. Une autre défaite. Eh bien, écoutez, comme prévu, on va partir en Battle Arena, hein, c'est comme ça. Hein. Hop! Waouh! Tiens, mes mails qui s'actualisent. 51 000 points, c'est pas beaucoup. Non, il est très bien ce vaisseau. Battle Arena, c'est parti. Hop, je vous retrouve une game. Mais c'est parti, on y va. C'est le début de la partie. Toujours en Battle Arena. Enfin, maintenant en Battle Arena, plutôt, on va dire. Hop. Ok. Ok. Ok, on vole toujours. Moi j'aurais aimé éviter plus de tirs de sniper, mais bon, c'est comme ça. Ok, on vole encore plus ou moins. Non, on va survivre. Yes, j'ai réussi à me passer derrière le caillou. C'est parfait. Casse-toi. Casse-toi avec ta voiture. Putain. Raté. Et il y a un truc qui me vise. Et il est là-bas. Oh, j'ai pas touché celle-là. Erreur. Erreur grossière. On peut commencer à tirer. Ah bah j'ai plus de quoi tirer. Ah bah non, je suis mort. Ok. Cette blague. Bon. Bon, on y retourne.
Alors, il y en a un qui se fait défoncer. Je pense qu'on va tous se faire défoncer s'ils se baladent en bus, mais bon, c'est pas grave. Ok. Ça met dans l'ambiance. Oula, on a pu voir le jeu dans le jeu. Quoi ? Mais qu'est-ce que t'as... Ah d'accord, c'est ça qui fait ce bruit-là. Bonjour ! C'est pour un sondage ! Hop là ! Ça vous a fait stresser les mecs ? Pourquoi il y en a autant qui campent à leur point de spawn ? C'est marrant ça ! Une bonne chose à savoir, remarque. Oh, abruti qui saute ! Ah oui, je suis naze. Oh! Oh quoi? Si peu de dégâts? Oh mais non! Alors Mystique Pro, bah dis donc. Heureusement que tu mets Pro dans ton... Dans ton pseudo hein. Oh la gueule! Enfin bon, ce n'est que mon avis. Your bottom fusion tower is under attack. Oh. Ok, je comprends pas pourquoi le sniper m'a pas tiré dessus en fait, j'étais en train d'attendre qu'il me tire dessus. Mais bon, pourquoi pas. Quoi ? Peut pas m'avoir, merde. Voilà, merci. Ah, par contre lui va m'avoir. À mon avis, ce coup là c'est mort, voilà. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Essaye de progresser. Il va essayer d'aller prendre le point là-bas. Nous on va essayer d'aller lui le défoncer. J'allais dire lui faire un truc, mais bon. D'accord, je vois plus ou moins où tu es toi. Oh! Bon, là je veux bien. Là je veux bien, c'est l'équipement qu'il faut pour le battre. Hop, on se laisse tomber au sol. Hop, un petit coup de régène. Fait chier. Aïe, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Bon, surtout qu'il s'est fait défoncer 2 secondes plus tard, on aurait pu faire un peu mieux peut-être. C'est pas grave. Allez, on y retourne. On va essayer de passer par là. Ça tente sûrement une attaque frontale. Oh! Oh! Ah, il me saoule! Ah, il en a 2 en plus! D'accord, il a bourré les petites. C'est pas con, c'est pas con. Il a bourré les petites. Les petites hélices pour pouvoir voler. D'accord, c'est pas con, ouais.
C'est un truc à tester, ça, chers amis. Hein. Ah, pour une tourne. Your bottom fusion tower is under attack. Spotted. C'est marrant, j'ai un lag à chaque fois que je tire sur ces putains d'ennemis. Your bottom fusion tower is under attack. You have captured the enemy's middle fusion tower. Your enemy's fusion shield has been deactivated. Spotted. Your bottom fusion tower has been captured. Oh, t'es sérieux? Et les mecs, laisserait peut-être encourir notre point de spawn là? Parce que quand je vois le nombre qu'ils ont aussi près de notre base. Remarque, ils essayent d'aller choper la tour, je dis rien. Non, j'ai rien dit, chers amis, je m'excuse. Ils sont jolis leurs vaisseaux quand même. Je dirais un canadair un petit peu. Ok, c'est reparti. Your middle fusion tower is under attack. Essayez d'aller récupérer le point. Your middle fusion tower has been captured. You no longer have your clock cycle booster. Spotted. You have captured the enemy's bottom fusion tower. Clock cycle booster activated. Oh, leur v'là. Oh non, mais les deux. Pas possible! Non! Ah! Ah, quand les deux ils sont ensemble, c'est une catastrophe! Hein. C'est une véritable catastrophe. C'est vraiment compliqué. On n'aura pas le 1,5 million, on aura peut-être 600 000 là-dessus, à mon avis. De toute façon, on pourra pas avoir le 1,5 million puisqu'il n'y a plus le x2. Donc, ouais, on va viser un petit peu moins en fait. Your bottom fusion tower is under attack. Ok. Si on passait par là, on verra bien, il y a Yuta. Your bottom fusion tower is under attack. Your bottom fusion tower has been captured. Oh, j'ai raté tous mes tirs. Oh non, oh putain. Touché. Ok. On est clairement un groupe d'aviation hein, quand je vois le nombre de véhicules volants qu'on a. Ok, j'ai raté tous mes tirs, j'ai eu une chier de lag en même temps. Ok, aïe. Hop. Est-ce que je pourrais être couvert? Ah bah merde, j'aurais pu décoller en fait. Trop con cette histoire. Hop les. Ah mais tire! Pourquoi il tire pas? C'est saoulant ça. Je veux bien comprendre qu'il y a un système de recharge et un système de quantité d'énergie à utiliser. Mais dans ce cas-là, s'il y a ça, devrait pas y avoir de comment de temps de recharge entre guillemets. C'est stupide. Ou alors faut qu'il soit notifié le cooldown. Enfin bon, c'est que mon avis, hein, encore une fois. Bon, on va attendre d'aller récupérer une tour quand même. Bien, je suis en train de les spotter comme un con. Hop, c'est parti. Alors, surtout on le fait en rase-meute, hein, parce qu'il faut pas qu'on se fasse buter par les... Et on longe les murs.
Your plutonium reactor is under attack. Spotted. Oh! Non! Putain, mais non! Your plutonium reactor is under attack. Allez, tourne à gauche. Your plutonium reactor is under attack. Allez. Merci. Your top fusion tower is under attack. Comment veut celui-là hein. Hop. Your fusion shield has been deactivated. Et butez-le, bon Dieu. Merci. Ah bah merde, on a plus de bouclier. Vous êtes pas drôle les mecs là. Allez, je peux voler. Enfin bon, si le jeu veut bien. Ok. J'attends d'aller récupérer une tour ou deux là. Allez. Ok, ça c'est fait. Maintenant la tour. Spotted. Oh putain. Spotted. Hop. Allez. You have captured the enemy's top fusion tower. Your fusion shield is now active. Spotted. Spotted. Your plutonium reactor is under attack. Alors je me bats pour décoller hein, je l'avoue. Your top fusion tower is under attack. Your proton crystal is nearly destroyed. Oh putain. Spotted. C'est limite si j'aurais pas gagné du temps à ça y est. Oh mais merde! Putain, on peut plus voler dans ce jeu quoi. Est-ce que quelqu'un a de quoi me heal ou pas? Clock cycle booster activated. Oh, je vais essayer quand même de me retourner. Je tente ma chance. Et je vais aller les bourrer sur leur point de spawn. On va bien voir s'ils vont être un petit peu plus dynamiques ou pas. Hop. Désolé. Je suis servi de toi comme d'un bouclier humain, je le reconnais. Voilà, c'est bon. Victoire. Eh ben, dis donc, tant bien que mal, chers amis. Oh là là. Oh là là. Tant bien que mal, hein. J'ai les yeux complètement défoncés, j'étais concentré à fond. Ouh. On pouvait pas voler dans cette partie, c'était volant. Violent, pardon. Volant. Blablabla, moi aussi. Bon, c'est pas grave. Combien qu'on se fait de points là-dessus? Est-ce qu'on se fait des points là-dessus? 500 000 à peine, c'est ça? À peine 500 000. Ouais, bah dis donc. On n'est pas rendu. Hein. Et 51 000 points supplémentaires sur le principe de la partie précédente en Team Deathmatch.
Ok. Alors juste, histoire de savoir, le prix de du Mega Bomber. Ah, on pourra bientôt se l'acheter, on pourra s'acheter dans, je pense, dans le prochain épisode. Bah écoutez, moi je vais en tourner un supplémentaire alors. Je vais en tourner un supplémentaire. Ouais, allez, c'est parti. Eh bien, écoutez, les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueurs de la Playroom, de faire trouver dans la mer de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo à nouveau. Hein, encore une fois, un grand merci. Je n'en serais pas là sans vous, bien entendu. Donc, encore une fois, un grand merci. N'hésitez pas à commenter au sujet du compte presse. Ça pourrait toujours être intéressant de savoir à ce sujet-là. En petite news supplémentaire, je peux vous annoncer tout de suite que j'ai eu un mail concernant ma tour, me disant que ça va être fait dans les plus brefs délais et apparemment pas comme indiqué sur le site internet. Donc c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Donc on n'a plus qu'à espérer, croiser les doigts que ma tour revienne assez vite. J'y crois, je l'espère. Donc encore une fois, un grand merci à vous pour votre sympathie. C'était Marcus Venus dans la Playroom. A plus pour cette aventure. Salut les gens.